Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un unboxing un peu particulier. Alors, si vous me suivez sur mon Facebook, vous avez pu voir il y a quelques temps une photo de cette table avec un dessin fait avec des stylos. Et je vous avais mis en rigolant que j'étais un peu fofolle, que c'était la taille d'un futur projet. Et ce futur projet est arrivé hier. Donc, j'ai un petit peu de temps ce matin avant de partir au boulot, donc je vais vous faire la vidéo. Parce que je taffe ce week-end, donc ça va être compliqué. Alors, c'est parti. Donc, l'emballage, bien. Voilà, rajoute du plastique au bout parce que le projet est très grand. Alors, comme d'habitude, avec ce partenariat, puisque c'est une toile Diamond Painting, hein, vous vous en doutez, en partenariat. J'ai l'étiquette ici avec mon nom et la référence et la photo du projet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet? Donc, c'est mon partenaire Myth of Asia. Voilà, c'est écrit sur le carton, hein, comme d'habitude, avec toutes les références qu'on retrouve à chaque fois, leur Instagram, leur Facebook, leur adresse email. C'est un site hollandais et allemand. Voilà, vous avez toutes les informations écrites ici, comme d'habitude. Là, les photos de certaines réalisations de projets chez eux qui ont été faits. Et puis là, il y a d'autres choses, mais malheureusement, je ne parle ni hollandais ni allemand. Boîte carton, très costaud. Et là, c'est parti. Alors. Donc, c'est bon, la boîte est vide. Je me disais bien qu'il n'y en aurait pas de deux. Voilà, donc j'ai trois sachets de diamants. Enfin, rien qu'à voir les couleurs, ça va être un truc de dingue. Alors, tout kit, bon, toujours pareil, hein, tout à fait classique. Une toute petite barquette blanche à bec verseur, une pince courbée grise, deux pains de colle. Ah, vu la taille de la toile, j'aurais pensé avoir quelque chose de plus gros. Bon, c'est vrai que j'en ai en stock. Et un stylet pailleté transparent avec un embout simple et un multiplaceur de 3. Tout ça dans un sachet zip. Mais ouais, pour un projet comme ça, je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que ça? Alors, la feuille de route, elle est là. J'ai déjà récupéré ça pour voir le nombre de couleurs. Ah, enfin, je les compte. Alors, 8. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49 couleurs. Oui, de toute façon, ça ne m'étonne pas qu'il n'y en ait pas plus. Parce que vu la couleur du projet, de toute façon, ça ne servait à rien. Alors. On est prêt? On déroule. Ah oui, alors les feuilles d'instruction comme d'habitude. Ça, c'est les petites feuilles opaques. Si vous voulez remplacer le film transparent. Par contre, là, il va falloir que je replace le papier. Voilà,
Voilà la taille du projet, c'est ce que je vous disais, elle fait presque ma table. Voilà, j'avais dit que je ne ferai jamais de grande toile. J'en ai fait une avec mon indienne en 80 par 60. Ça a été très très long à faire pour moi. Mais là, pour le dessin, c'était pas possible. Si je prenais pas un très grand format, tous les petits détails qu'il y a dessus, on les aurait pas vus. Ça aurait vraiment fait pixeliser. Et je veux pas. Je veux vraiment voir tous les détails de ce dessin. Alors, il va falloir ma règle pour replacer la feuille parce que là, sinon. Là de dos, j'ai des rivières et ça me plaît pas. Alors j'espère que c'est pas des rivières marquées. Ouais. Alors, est parti. Hop. Voilà. Donc c'est un décor asiatique et elle fait 50 par 120. Eh oui, projet de dingue. Voilà. Alors, je sais pas. Je vais essayer de me déplacer comme ça. Voilà. Donc, ça représente un temple. Devant, c'est un port. Et je crois. Ouais. Ça me fait quand même peur parce que bon, je sais que les DP ça se regarde de loin sur tous les grands, un grand comme ça, mais là je vous avoue que je suis un peu dans le flou. J'espère que les motifs vont ressortir parce qu'alors là ça fait très pixelisé. Pourtant il est grand. Hein. Il est grand. Alors le dessin, il est connu. Vous avez déjà dû le voir sur, sur beaucoup de sites. J'ai vu déjà des personnes le faire en taille un petit peu plus petite. J'ai vu une dame qui le commence en 80 par 60. Je vais essayer de vous le de vous faire voir l'image qui est sur la feuille de route. Mais voilà, c'est ce dessin-là. Pas si vous allez bien voir, mais bon, de toute façon, si vous voulez vraiment voir le dessin, il vous suffira de cliquer sur le lien pour aller directement sur la toile. Ouais, je suis sceptique là, je suis sceptique. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette toile? Alors, on commence ici. Il y a un petit temple. Qui est pas fermé comme un dôme ouvert, hein, qui se trouve ici, avec au-dessus et au-dessous un sakura, donc cerisier japonais, bien entendu. Là, sur le devant, là, on retrouve comme une passerelle en bois. Là, ici. Là, donc. Il y a un bateau. Alors ça a fait un peu un bateau forme un peu drakkar, mais c'est les bateaux japonais qui ont les bords qui remontent avec des dragons sur le devant. Mais alors là, quand je vois les dessins, ouais, on verra bien. Donc le bateau se situe ici. Voilà, toute la partie qui est là, ça c'est le haut du bateau. À l'arrière. Donc la grosse partie que vous voyez là, donc ça par contre c'est un temple complètement fermé. Et pareil, il est complètement entouré de sakura. Là en bas on retrouve comme un morceau de barrière avec comme un début de portail avec une petite tour ici. Et là, dans le fond, ce sont des montagnes dans un ciel un peu brumeux. Et ce DP n'est que dans les tons de rose. Voilà. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir que ces couleurs-là qui fait que pour l'instant, sur la toile, ça fait un peu flou?
Je l'espère, parce que si c'est pour avoir pris une taille pareille et que ce soit flou, alors là, moi, après, je ne sais pas quelle taille prendre. Hein. Là, plus grand que ça, après, c'est... Là, c'est 120 par 50, et après, la plus grande taille, ça, c'est 140... Que j'y sois bêtise, 140 par 60, je crois. Par 60 ou par 80. Il y avait plus grand, hein. Mais bon, je me suis dit déjà, 120, comme c'est en format paysage, en plus, je me disais que c'était pas mal. Alors. Donc, ça colle super bien. La toile est méga pailletée. Alors ça, c'est très original. Très original. Elle est pailletée partout, hein. En général, le pailleté, on retrouve sur les parties blanches qui font le contour, mais là, c'est la totalité de la toile. Alors, sur cette toile, il y a quoi ? Il y a des lettres, il y a des symboles, il y a des chiffres. Et par contre... Par contre, les symboles sont entourés d'un cercle. Puisque cette toile, je l'ai pris en diamant rond. Je ne me voyais pas faire cette taille-là en diamant carré. Ouais, il y a des cercles autour de chaque symbole. Alors, normalement, j'en suis à... C'est mon cinquième projet avec Mitophasia. Pour l'instant, je n'ai pas à me plaindre des diamants. Hein. J'ai fait du carré et du rond. Les deux sont très bien taillés. Les diamants sont de très bonne qualité. Donc... Normalement, ça devrait aller parce que si les diamants sont trop petits, on voit le dessin du cercle en dessous et c'est franchement pas beau. Mais je m'inquiète pas là-dessus. S'ils n'ont pas changé de fabricant, normalement il n'y a pas de problème. Mais ouais. J'ai qu'une hâte, c'est de la voir finie parce que j'ai vraiment un gros doute sur le rendu. Hein. Bon, déjà, je vais retracer la feuille parce que il y a un petit peu de plis. Il n'y a pas de rivière, c'est des plis. Les rivières, c'est des cloques dans la colle qu'on est obligé de péter avec la lame d'un cutter. Mais là, ce sont simplement des plis. Hein. Il n'y a pas de rivière. C'est pas évident. Hein. Je peux pas. Quand j'ai ces plis là-dessus, de toute façon, je vais pas la commencer. Pas la peine. C'est des coups à ce que les diamants ils pop, alors c'est pas la peine. Hein. Je mettrai les feuilles blanches. J'aime pas trop travailler avec ces feuilles blanches là parce qu'on voit pas ce qu'on fait. Enfin, on voit pas ce qu'on fait, on voit pas le reste de la toile. Projet de dingue. Mais un magnifique projet. J'adore ce dessin. Excusez-moi.
Eh ben, il n'y a plus qu'à attendre que madame reprenne sa forme. Je vais en mettre tranquillement en place. Alors, de toute façon, c'est pas une toile que je vais démarrer tout de suite parce que vous savez que je suis en train de faire un personnage qui va avec ce projet. Donc, je veux finir la petite toile que je suis en train de faire. Et ensuite, je démarrerai celle-là. Donc, je pense que celle-ci, ce sera pas avant le 1er décembre. De toute façon, déjà, tant qu'elle n'a pas repris sa forme... Parce qu'on voit, il y a quand même des petites bosses là. Alors, les couleurs. Hop. J'enlève ça là-dedans. Je vais mettre tout ça dans un grand sachet pour tout faire ensemble. Combien mignon. Ouais. Par contre, je n'ai pas le temps de faire le check aujourd'hui. Je fais la présentation et je ferai le check un autre jour, c'est pas grave, je veux juste vous faire voir les couleurs. Alors, du rose, du parme, encore du rose, un autre rose. Encore un autre. Et encore un. Un autre parme. Encore du rose. Du violet. Un rose ultra flashy. Encore un autre, et qui n'est pas les mêmes. C'est du 915 et 917. Un petit rose palichon. Deux petits roses pâles. Oh, ils sont spéciales, ça. Ça fait rose bonbon, ça. Encore un rose. Encore un. Encore un. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tons de rose. Différent. Ah, par contre, ça aurait été en sachet zip, ça aurait été génial. Mais alors là, en ribambelle, pour l'organisation, ça va durer une plombe. Alors, j'ai du beige. Encore un autre ton de beige. Un petit peu de blanc, un verre d'eau, du gris très pâle, je sais pas, aussi du gris vert, un peu gris vert bizarre, ça c'est pareil, ça du vert bouteille, non du vert kaki. Du vert kaki, ça c'est du vert, c'est trop. Encore un fond vert, un autre plus foncé, ça c'est du gris anthracite. Ça c'est du caramel très pâle, du caramel plus foncé. Encore un autre ton. Ça, c'est chocolat. Chocolat. Ça, c'est bordeaux. Ça, c'est encore un caramel. Oh, une belle ribambelle de violet très foncé.
un bordeaux un peu plus clair, un autre d'un autre. Ah non, c'est encore un bordeaux, un violet. Ah oui, c'est un violet, mais beaucoup plus clair. Ensuite, ça c'est un marron foncé. Ça c'est quoi ça? J'ai deux sachets foncés là, 791 et... J'ai du mal à voir ce qu'il y a écrit dessus. Je sais pas, j'ai deux bleus. Des bleus marines un peu. J'en ai toute une ribe en belge, je sais pas si ça va avec. Là, ce qui est marqué dessus, c'est... 898. Ouais, donc j'ai trois tons de bleu marine. Encore un parme. Là j'ai un bleu, les bleus des blue jeans. Je sais pas le nom. Ça, c'est un verre de gris. Ça, c'est encore un gris. Et ça, c'est encore un marron. Il y a tellement de quantités de bains différents dans les couleurs que c'est presque impossible à définir si on ne connaît pas ces couleurs par cœur. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de jaune, ça ne correspond absolument pas à la dernière fois, l'abeille colorée que je viens de faire. Là je reste vraiment sur principalement des couleurs identiques. Hein. C'est pas, je ne vais même pas avoir assez de place dans le sac pour tout mettre. Bon, vous voyez, le sac il est blindé, hein. Et c'est des 3 litres. Je peux le fermer. Ouais, c'est bon, il est fermé. Ça, ces sacs-là, ça va aller à la poubelle. La feuille de route. Ah bah. Oubliez un sachet de diamant. Est-ce que je peux la travailler en bloc? Ouais, il y a des endroits où je pourrais faire du multiplaceur, mais alors pas tant que ça. Hein. Elle n'est pas ultra confetti non plus, mais il n'y a pas énormément de zones à faire au multiplaceur. Hein. Je pensais que le fond... elle est plus bloc que ça. En fait, c'est exactement les mêmes couleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai fait avec les carpes koi, qui représentent le yin et le yang. Et ces couleurs qui varient, je sais pas, sur 5 ou 6 tons de rose et de parme, tout autour des carpes, me faisaient très peur par rapport aux couleurs. Et en fait, je retrouve exactement les mêmes couleurs ici. Voilà. Et le fond des carpes koi n'était pas du tout bloc. C'était vraiment très confetti. Mais bon, je peux travailler déjà sur des zones entières de la même couleur. Ça évite de toujours faire des changements. Ça, c'est déjà pas mal. Mais ouais, il va falloir que ces petites rivières, enfin ces petites rivières, ces petits plis s'en aillent. Okay. Hop. Voilà, c'est pas... En soi, c'est pas gênant, la toile n'est pas abîmée, hein. C'est des plis, hein, c'est tout. Hein. C'est comme quand vous pliez mal votre linge, ça fait des plis. Bon, bah là, voilà, c'est pareil. Sauf que
Donc là, je vous y mettais un coup de fer et puis ça s'en va, mais là, c'est pas possible. Et ben, on va attendre gentiment qu'il reprenne sa place. Donc, normalement, aujourd'hui, on est le 18. Mais on est le 18 à... Jusqu'au 1er décembre, ça y fait 10-12 jours, à peu près, pour essayer de se remettre un peu en place. Si c'est pas le cas, et ben c'est pas grave, ça attendra. Je la ferai pas tant qu'elle aura ces plis là, c'est pas possible. Moi c'est pas possible, là il y a une bosse et il y a un creux, voilà, ça fait comme une gouttière. Mais c'est pas la colle, hein, c'est vraiment la toile qui a pris un pli. Et ça, vous mettez un diamant là-dessus, direct, le diamant il saute. Hein. Donc tant qu'elle sera bien à plat, je la commencerai pas. Donc pour l'instant, j'attends. On verra bien. Alors, cette toile, donc elle fait 120 par 50. Ce qu'il faut savoir chez Mythophasia, c'est que la taille qu'on vous donne, c'est vraiment la taille du dessin. C'est pas la toile bord inclus. Donc si vous voulez encadrer vos projets, vous pouvez vraiment prendre la taille d'un cadre par rapport à la taille qu'on vous donne. Ensuite, donc cette toile est en diamant rond, elle comporte 49 couleurs et vous la trouverez au prix de 90 euros. Voilà, elle est en promotion à 65, je crois. Et on m'a fermé. Et c'est arrivé très vite. Hein. Elle est arrivée très vite. C'était personnel d'avoir noté, ça se trouve je ne l'ai pas encore noté, si elle est là. Non, je dis des bêtises. Elle est au prix de 180 euros et elle est en promotion à 89,95 €. Voilà. Donc, si ça vous tente, si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. Je vous mettrai un petit code promo de 10% qui normalement m'est réservé, mais bon... je vous mettrai dans la barre d'infos, vous pourrez essayer, vous verrez bien si ça fonctionne ou pas, je sais pas. Là, de ce côté-là, je peux pas vous le dire, j'en sais rien du tout. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Moi, je vais aller mettre la mistinguette sous mon matelas, parce que ben, évidemment, une 120 par 50 dans un porte-vue, ça va pas rentrer. Voilà, et puis bah, je vous retrouve, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo parce que j'ai quelques colis qui vont arriver. Donc on se retrouvera pour présenter tout ça. Voilà, donc projet de dingue. Déjà, je ne vous dis pas quand elle sera terminée, si elle me plaît vraiment, parce que faut aussi qu'elle soit belle. Hein. Bah, je ne sais pas comment je ferai pour l'encadrer. On sait rien. Peut-être que je ferai le système de débarrementé. Ce sera peut-être beaucoup plus simple parce que trouver un cadre dans cette dimension-là, vas-y, nénesse, quoi. Voilà. Et ben écoutez, sur ce magnifique paysage, je vais vous laisser. Vous retrouverez en barre de description, comme d'habitude, le lien pour aller sur le site de Mythophasia, le lien pour aller directement sur cette toile. Le code pour moi de 10% que vous pourrez essayer d'utiliser. Vous verrez bien si ça fonctionne ou pas. Et puis, comme d'habitude, hein, mon adresse email, mon Insta et mon Facebook. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt dans nos prochaines vidéos.